Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 21 juin 2019 et il est 12h15. Voilà, je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, je fais une petite vidéo, je sais pas. Pour dire que ça va pas terrible en ce moment. Et du coup ça pourrait il se pourrait que je fasse pas beaucoup de vidéos pendant quelques temps sur YouTube, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne, parce que j'ai pas mal de problèmes de santé et puis ça va vraiment pas en ce moment. Voilà, hier j'étais à l'hôpital, j'ai passé des examens, ils savent pas trop, donc ce matin je suis allé au laboratoire à Gênes pour faire une prise de sang. J'attends les résultats, voir un petit peu ce qu'ils vont me dire. Mais voilà. Je sais pas, c'est depuis quelques temps, je me semblais pas en grande forme en fait. Et ça faisait depuis quelques jours où j'avais du mal à tenir sur. Enfin, au niveau de mes jambes, j'avais un petit peu comme si mon genou gauche me lâchait et que je tombais. Mais je me reprenais aussitôt. Et là, hier, donc en fin de matinée, j'ai commencé à avoir des problèmes aux jambes où j'avais du mal à tenir debout en fait. Et j'ai essayé de me reposer hier, de m'allonger, mais c'est la seule position où ça allait à peu près. Le problème, c'est que même quand je suis assis, ça me demande. Je suis pas bien à l'aise quand je suis assis en fait. Ça me demande des efforts pour être assis, comme si je sais pas comment décrire ça. Et puis quelques heures plus tard, donc hier, après mes problèmes au niveau des jambes, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mes bras et de mes mains. Je commençais à avoir de plus en plus de difficultés pour soulever mes bras et mes mains. Alors j'ai essayé de m'occuper un petit peu, donc j'attendais que Zouglut rentre de ses examens en fait hier, parce qu'elle avait des examens pour son diplôme. Et c'était un tel point que je n'arrivais plus à soulever mon téléphone portable, il était beaucoup trop lourd pour mes mains. Voilà, aujourd'hui, bah, franchement, je sais pas. Je me sens pas beaucoup mieux. Je crois que je tiens un petit peu plus sur mes jambes quand même, mais ouais. J'ai beaucoup de mal. J'ai essayé de jouer un petit peu à la console tout à l'heure. Tous les vendredis, je joue à ce jeu-là. Sur PS4. Alors j'ai fait une petite partie de stream sur mon autre chaîne, Cacao Gaming. J'étais là sur le jeu de Dr. Monique Minuit de Machine, mais vraiment ça m'a demandé beaucoup d'efforts de tenir le coup pendant la partie. Et là vraiment je me sens vraiment pas bien en fait. J'ai l'impression que chaque effort basique, que chaque truc simple me coûte vraiment beaucoup d'énergie. Je sais pas, comme tenir une télécommande de télévision pour changer de chaîne ou quoi, ça. J'ai l'impression que tous les petits trucs simples me demandent des efforts limite surhumains, alors je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas et à l'hôpital ils savent pas trop quand ils m'ont examiné. Une médecin, elle pense peut-être que le fait que je suive plusieurs traitements et le fait que j'étais malade récemment, que j'ai une rhinopharyngite, tout ça, qu'il se pourrait que mon système immunitaire serait grandement affaibli en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une prise de sang ce matin, pour essayer d'en savoir un peu plus. Mais voilà, c'est très gênant, donc ça m'embête et je trouve ça assez frustrant en fait. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Je vais peut-être faire une petite pause. De toute façon, je vais pas avoir le choix parce que je pense que je vais plus arriver à jouer aux jeux vidéo pendant un moment.
je sais pas pendant combien de temps. Et là, pour les vidéos, bah, je vais essayer d'en faire un petit peu, mais voilà, ça, je pense que ça va être un peu compliqué pendant quelques temps. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.